Ce qu'il faut dire, c'est que l'enfant prodige musicien relève plus du miracle que du mystère. Et en musique, qui dit enfant prodige, dit automatiquement, immédiatement, fatalement, Mozart. Ceux qui naissent avec des aptitudes géniales sont souvent de grands malades mentaux. Lorsque tu es arrivée chez Mademoiselle Boulanger, quel était le degré de ta formation musicale? J'avais composé un petit menuet, oui. Je lui avais joué, puis je lui avais joué du Tchaïkovski, la poupée malade, je lui ai joué des morceaux que j'ai appris en Bulgarie, mais enfin, je me sens maintenant que je n'étais pas dans ce degré que je suis maintenant, comme je comprends tout, qu'on analyse et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres... Oui, j'ai des autres projets pour le grand orchestre, des projets téléphoniques que je fais à propos des tableaux de mon grand-père. Donc j'ai donné pour le nouvel harmonie de Boulanger aussi. C'est une espèce de tableau d'une exposition peut-être Oui, c'est votre port. Enfin, je ne veux pas imiter, je ne veux pas faire comme Moussorski. Mais enfin, je me suis inspirée par ces paysans qui sont retournés du village et du labour, tout fatigués, et qui vont boire un verre de vin pour se reposer. Dans le passé de l'histoire de la musique. L'exemple le plus connu, c'est le cas de Mozart qui a commencé extrêmement jeune.